la fortune des mers et la fourrure des étoiles. Les nerfs solides des brumes d'automne et le voile des rêveurs d'amertume, la trésorerie du bitume, les hélices de leur baptême soufflent des fortunes aux cheminées. Mais d'où viennent les nuages d'eau salée? Massage de soufre pour les yeux, grisaille d'argent pour les pêcheurs de sourires. Soupire-moi un poème de fil, fil ressenti de poème perdu. Rêveuse aquatique, était-ce du vert, était-ce du bleu? À vous de choisir. Pour moi, l'incalculable est enlacé. Je ne crois pas être déçu. Le monde entier peut le savoir. Il y a des arbres jaunes sur Vénus, des nymphéas d'argent qui se prennent pour des cactus. Rarement ils sont avoués. Les moutons dorés dessinés par les enfants. Ils m'ont appris à sauter les barrières. Et je leur ai dit d'aller voler tout au-dessus des océans. Et je leur ai dit d'aller voler tout au-dessus des océans. Coupé. Alors, ça va? Bien, bien. Je soutiens ou pas? Et toi? Eh bien, je crois qu'il faudrait continuer à faire au nôtre, d'une autre façon, lisant, portant dans la chose. Mais ça, c'est déjà très bien. C'est déjà une démonstration très impressionnante, moi, je trouve. Oui, mais c'est un peu extérieur encore. Il faudrait aller au fond de l'histoire. Il faudrait risquer tout. Voir les tableaux les uns sur les autres comme ils se font. C'est-à-dire que tu veux montrer tous les tableaux qui sont sous un tableau. Qui sont sous un tableau. Ça, tu peux pas faire ça en transparence. Non, mais on peut faire de la peinture à l'huile.
C'est sans doute l'état que j'essaie de rejoindre quand j'écris. Un état d'écoute extrêmement intense, vous voyez, mais extérieur. Les gens vous disent qu'on est là dans la concentration quand on écrit. J'ai le sentiment d'être dans l'extrême déconcentration. Il y a des choses que je ne reconnais pas dans ce que j'écris, donc elles me viennent bien d'ailleurs. Je ne suis pas seule à écrire quand j'écris, mais ça je le sais. La prétention, c'est de croire qu'on est seul devant sa feuille, alors que tout vous arrive de tous les côtés. Évidemment, les temps sont différents, ça vous arrive de plus ou moins loin. Ça vous arrive de vous, ça vous arrive d'un autre, peu importe, ça vous arrive de l'extérieur. Ce qui vous arrive dessus, dans l'écrit, c'est sans doute tout simplement la masse du vécu, si on peut dire tout simplement. Mais cette masse du vécu, non inventoriée, non rationalisée, et dans une sorte de désordre qui est tous les jours un désordre originel. On est hanté par son vécu. Mais il faut le laisser faire. Rolfe Stein est une personne complètement hantée par le vécu de Estalla, par le bal. C'est un mot qui n'est pas beau, vécu, mais bon. Je ne vois pas par quel autre mot le remplacer. Mais elle est hantée comme un lieu hanté. C'est ça, Rolfe Stein. C'est quelqu'un qui, chaque jour, se souvient de tout pour la première fois. Et ce tout se répète chaque jour, elle s'en souvient chaque jour pour la première fois. Comme s'il y avait, entre les jours de Rolfe Stein, des gouffres insondables d'oubli. Elle ne s'habitue pas à la mémoire, ni à l'oubli d'ailleurs.